À la société, je suis obligé de m'apesantir un tant soit peu sur leurs incartades. Et c'est ce que je veux faire aujourd'hui en essayant de t'élever au rang d'un fonctionnaire de l'État gabonais. Yann Ghislain Ngoulou, j'ai appris les misères que tu as faites au maire de Libreville, Eugène Mba. Tu l'as humilié jusqu'à le pousser à la démission. Parce que tout simplement, ce papa de 78 ans ne fait pas les choses comme tu le souhaites. Ne t'obéit pas au doigt et à l'œil. Ce n'est pas la première fois que tu le fais. Tu l'as fait avec le maire Léandre Zieux que vous avez envoyé au Mitard. Mais là, tu as voulu reproduire le même schéma avec le vieux et jeune Mba.
Mais ces derniers, en tant que père de famille qui se respecte, ne s'est pas laissé faire. Et tu as tout fait pour le pousser à la démission. Yann Ngoulou, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu passeras ta retraite en prison. Tu passeras ta retraite en prison à sans famille. Parce que tu es un voleur au col blanc. Tu as commis des crimes économiques. Des crimes économiques qui vont t'amener à terminer ta vie en prison. Parce que le régime obsolète et corrompu que tu défends aujourd'hui ne va pas rester ad vitam aeternam, là. Il va finir par tomber. Et si tu étais circonspect, malheureusement la circonspection ne fait pas partie des matières qui t'ont été enseignées dans ta famille. On t'a plutôt enseigné la kleptomanie. Si tu étais circonspect, disais-je, tu allais t'abstenir de poser les actes que tu poses. Tu brilles par la persécution. Tu fais de la persécution ton agenda existentiel et indécrottable. Tu vas le payer. Tu as osé convoquer cet homme qui a 78, 16 ans sèche aujourd'hui, qui est donc ton grand-père. Tu l'as convoqué pour lui parler comme si tu parlais à ton enfant. Tu as raté ton instruction et tu as raté aussi ton éducation. Parce que tu ne peux pas te permettre de parler au maire de Libreville. Tu es qui pour parler au maire de Libreville comme si tu parlais à ton enfant? Le maire de Libreville n'est pas ton sous-vêtement. Tu es qui pour lui parler comme tu as voulu lui parler? Tu sors d'où? Il y a 5 ans en arrière, qui te connaissait? Il aura fallu connaître cette calamité d'Ali Bongo. Connaît son rejeton de Nourdine Bongo comme coordonnateur des affaires présidentielles. Et comme vous entreculez, il aura fallu justement que ce soit le règne des recto verso pour que toi tu puisses apparaître aujourd'hui, au grand jour. Mais tu étais où il y a 5 ans en arrière? Qui a entendu parler de toi? Tu as fait quoi pour le Gabon? Et tu es quoi? Tu es qui pour parler au maire de Libreville comme si tu parlais à ton sous-vêtement? Tu es qui, toi, Yann Ngoulou? Tu vas terminer ta vie en prison. Tu passeras ta retraite en prison. Je te promets, retiens-le dès aujourd'hui. Et le Gabon de demain va être difficile pour toi. Tu appelles le maire de Libreville. Tu es qui? C'est une autorité. Toi, tu es qui? Tu n'es que directeur de cabinet. En fait, tu es vague-mestre de Nourdine Bongo. Comme vous entreculez la présidence de la République, il t'a élevé à ce titre-là. Mais tu es qui pour parler au maire de Libreville comme si tu parlais à ton enfant? C'est ta femme pour que tu lui parles comme ça? Sans égard. Et tu as voulu même te battre avec lui. Tu es un idiot. Tu as raté ton instruction et ton éducation. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Mais tu te crois où, toi? Tu penses que tu es devenu quoi? Parce qu'on t'a élevé à ce poste de directeur de cabinet, en fait, ramasseur de clés de Nourdine Bongo? Tu penses que tu es devenu supérieur à ces gens-là? Ce monsieur, un banquier, reconnu pour sa rigueur. Et tu as voulu le traiter comme si tu traitais ton sous-vêtement. Tu te prends pour qui, toi? Tu es qui? Ce monsieur, c'est un banquier reconnu pour sa rigueur. Et vous avez besoin de le traiter comme ça? Parce qu'il a dégommé ta belle-sœur, parce qu'il a dégommé tes beaux-parents que tu as placés à la mairie, parce que tu penses que la mairie, c'est la plantation de ton père et de ta mère. La mairie de Libreville, c'est la plantation de ton père et de ta mère. Pour que tu en fasses maintenant la première entité pourvoyeuse d'emploi pour ta belle famille. Tu te prends pour qui? Tu es maudit. C'est l'éducation que tes parents t'ont donnée. Insulter un papa de 78 ans qui ne t'a rien fait. Et après, vous lui faites signer pratiquement arme à la tempe la démission.
Tu penses que lui, il va mourir d'inanition parce qu'il serait parti de l'hôtel de ville? Cet homme travaille depuis. Il a assuré ses arrières. Mais toi, toi, on connaît comment tu as fait. Tu as payé une maison de 800 millions de francs CFA. Avec quel argent? Ton salaire te permet de payer une villa de 800 millions de francs CFA? Que tu as payé la sablière? 800 millions de francs CFA. Tu peux nous justifier comment tu as fait pour obtenir 800 millions de francs CFA? Pour payer une villa à la sablière, tu vas le payer. Tu termineras ta vie en prison. Tu termineras ta vie en prison. Tu penses que tu n'es pas dans l'œil du cyclone? Tu penses que tu es qui? Parce qu'on t'a donné ce poste de coordonnateur des affaires présidentielles, en réalité, ramasseur de clés de Noureddine Bongo, comme vous entreculez, c'est votre travail depuis que vous êtes arrivé là. Vous avez transformé la prison, vous avez transformé la présidence de la République en bésodrome, des recto verso. C'est le seul mérite que vous avez. Et vous faites semblant d'avoir des femmes décoratives à la maison, alors qu'on sait que vous êtes une bande de recto verso. Tu te prends pour qui? Le jeune Bah t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Tu te sens plus? Tu penses que tu es devenu qui? Tu es devenu supérieur par rapport à qui? C'est une illusion que tu te fais. Moi, ça ne m'étonne pas. J'ai l'habitude de vous dire que le Marbouillard croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Le Marbouillard croit qu'il a grossi alors que c'est son ventre qui est ballonné. Tu vas le payer. Avant toi, il y a eu des gens qui étaient directeurs de cabinet là-bas. Il y a des gens qui ont travaillé à la présidence. Ils sont où aujourd'hui? Brice Lakhuish Alyanga, qui était directeur de cabinet d'Ali Bongo, qui remplaçait Ali Bongo partout, même sur sa femme. Il est devenu quoi? Qu'est-ce qu'il est devenu? Tu ne retiens pas les leçons? Lui qui était devenu messager intime, qui pouvait tout gérer d'Ali Bongo, même gérer sa femme. Il est où aujourd'hui? Il n'est pas en prison. Et pourtant, il avait plus de proximité avec la famille Bongo que toi. Il avait plus. Il a géré la femme d'Ali Bongo. Il a géré Noureddine Bongo, le fils d'Ali Bongo. Donc, toi, tu es qui? Parce que tu donnes ton derrière. Tu es maudit. Cet homme ne méritait pas cette humiliation. 5 mois seulement. C'est vous qui êtes mauvais. Vous ne savez pas gérer les ressources humaines. C'est votre régime qui est mauvais. 5 mois seulement qu'il est maire de Libreville. Vous le traitez comme si c'était vos excréments. Vous prenez pour qui? Noureddine Bongo et toi, vous êtes de qui? Votre seul mérite est de vous articuler à la présidence de la République, mais vous n'êtes rien. Intellectuellement, vous n'êtes rien. Vous êtes incapable de concevoir des projets pour développer le Gabon. Voilà le pays, comment il croupit dans la misère, le sous-développement. Vous avez fait quoi? Quel est le brainstorming que vous avez fait pour sortir le Gabon de ce bourbier dans lequel vous l'avez précipité à cause de votre kleptomanie? Vous avez fait quoi? Vous êtes un groupe d'idiots, que ce soit toi ou Noureddine, mais vous allez terminer votre vie en prison. On va vous traquer, on vous trouvera. Quoi que vous fassiez. Donc, le maire de la Libreville ne méritait pas cette humiliation. C'est une institution. Vous êtes arrangé déjà avec votre matelas de premier ministre là, Rose Christiane Souka-Raponda, comme c'est votre matelas, avec Françoise Dikoumba aussi, et comme c'est ta belle, parce qu'elle aussi elle épouse un homme de Fougamou, c'est chez moi. Vous avez fait un truc, un document, il fallait qu'il signe, il fallait qu'il signe, ou alors il allait en prison. Mais vous êtes des pauvres types. Vous êtes un groupe d'imbéciles, une légion d'imbéciles qui retarde le Gabon. Vous pensez que je ne vais pas mourir là parce que il va aller chez lui, s'asseoir? Il a atteint l'âge de la retraite. Il vous a demandé à être maire de Libreville. Ce n'est pas vous-même qui l'avez cherché. Ce n'est pas vous-même qui avez cherché qu'il devienne maire de Libreville. Mais vous pensez qu'il allait venir là pour vous obéir au doigt et à l'œil parce que vous êtes qui? Des gamins à l'éducation inachevée. Quelqu'un qui a fait ses preuves, il va obéir à des gamins qui ont encore des caca dans la culotte. Vous prenez pour qui? Ça va mal se régler, ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de construire un Gabon de rancœur. Tôt ou tard, les points vont se régler d'une manière ou d'une autre.
Et ça, ne l'oubliez jamais. Et quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Quand l'eau monte, les poissons mangent les fourmis. Et quand l'eau baisse, les fourmis mangent les poissons. Ne l'oubliez jamais. Même dans vos gueuletons entre pervers là. Hein, vous là, qui vous partagez l'immoralité comme seule valeur. N'oubliez pas que ça va finir. Vous faites la guerre à ce papa. Il a besoin de ça à son âge. Il a besoin de terminer son mandat à la mairie et il va se reposer. Il n'a pas besoin de ça. Il n'est pas dans la compétition avec vous. Pourquoi vous le malmenez comme ça? Et toi, comme tu penses que la mairie, c'est la plantation de ton père et de ta mère. C'est pourquoi tu fais ça. Tu envoies n'importe qui. C'est toi qui imposes maintenant qui doit être directrice de recettes. Qui doit être, parce que c'est pour gérer l'argent. Comme toi, tu es là uniquement pour de l'argent. Mais je te promets, tu vas mal terminer. Vous pensez que le Gabon, c'est l'épicerie de vos parents? Ça ne va pas se terminer comme ça. Ça va mal finir. Parce que le monsieur l'a dit non hors de question. Vous envoyez des gens en permanence. Et toujours à des postes clés. La présidence a interféré dans le fonctionnement de la mairie en date. C'est une collectivité locale. On a décentralisé, on a déconcentré les pouvoirs. Ce n'est pas vous. Ce n'est même pas le gouvernement qui doit venir faire ceci. Vous voyez les pays qui nous servent l'exemple, comme la France. Le maire de Paris, Madame Hidalgo, elle n'a pas besoin d'aller voir Macron pour prendre une décision. Mais pourquoi voulez-vous que le maire de Libreville vienne vous voir? Toi, tu es qui? S'il donnait le derrière, c'était encore un jeune qui donnait le derrière, alors là, vous devez en faire votre chouchou. Tu vas mal terminer. Toi, tu termineras ta retraite en prison. Déjà, les 800 millions que tu as volés pour payer une villa UP, tu vas rembourser ça. Ali Bongo, à n'importe quel moment, il peut mourir. Et une fois qu'Ali Bongo meurt, tant pis pour toi. Donc, fais ce que tu veux. Tu as humilié ses papas, c'est bien. Mais je te rappelle qu'il y a eu des gens qui ont fait vraiment qui ont fait de la persécution leur agenda existentiel. Mais ces gens ont mal terminé. Je peux te rappeler quelques noms. Il y a eu Hervin Don. Il est mort comme un chien en France. Son corps est parti à l'église. À Paris, il n'y avait même pas plus de 10 personnes. Quand ça arrivait au Gabon, même pour rentrer au Gabon, il aurait fallu qu'on fasse du ramdam sur les réseaux sociaux pour que le régime qu'il a servi avec zèle puisse payer le transport. Il y a eu Alfred Nzienki Madungu qui tuait les gens. Aujourd'hui, il est au garage. Brice Lapuche Alianga, qui était messager intime d'Ali Bongo, qui gérait tout d'Ali Bongo jusqu'à sa femme, jusqu'à son fils. Il est en prison. Ceux qui ont commencé avec Ali Bongo, d'autres sont aujourd'hui à l'exil. Donc toi, demain, tu seras. Tu as vu ce qu'on a fait à Boudjikouma. Boudjikouma, il avait été directeur de cabinet d'Ali Bongo. Il n'a pas volé, on a collé motif. Donc, tu crois faire du mal aux autres en leur collant des motifs qu'il a volé. Le monsieur a volé 338 millions pour faire quoi? Le maire, vous l'accablez. Oh, il a volé 338 millions pour faire quoi? Ce monsieur est reconnu pour son intégrité. Il n'est pas de ma famille. Je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu des gens qui ont travaillé avec lui pour dire que c'est un monsieur rigoureux. Donc, il a volé quoi? Il ne vous a pas donné seulement le Grisby, comme vous êtes là, vous l'avez placé, vous avez pensé qu'à un moment donné, il allait chaque fois cotiser. Il allait chaque fois donner les cotisations dans votre mafia. Parce que vous avez une mafia que vous avez mise en place. Et chaque institution doit alimenter cette mafia-là. Mais comme il ne fait pas ça, plus grave, il vire les gens que vous envoyez. Vous êtes obligé de chercher à l'humilier pour le faire passer pour un voleur. Mais je te rappelle, Yann Ngoulou, la lime use la machette. Mais la machette aussi use la lime. La lime use la machette, mais la machette use aussi la lime. Donc n'oublie jamais. Tout ce que vous faites de mauvais là, ça va vous retourner. Ça se trouve contre vous. Un papa comme ça, qui n'a même pas demandé, il vous a demandé. Vous avez vu qu'il a écrit. Il a écrit, j'ai l'honneur de venir solliciter le poste de maire de Libreville. Vous l'avez cherché. Vous avez dit que c'est quelqu'un d'intègre.
Vous l'avez mis dans le passé intègre. Maintenant, il faut accepter aussi la rigueur qui l'instaure. Pourquoi vous voulez maintenant? Parce que vous êtes une bande de voleurs. Toi, tu es un voleur. Nourani Bongo, c'est un voleur. Sylvia Bongo, sa mère, c'est une voleuse. On vous connaît. Vous allez mentir à qui? Mais vous allez rendre tout ce que vous prenez là. On va vous traquer où que vous soyez. Vous pouvez aller même au Tibet. On va vous rattraper. Aujourd'hui, le monde n'est plus qu'un village planétaire. Donc, où que tu ailles, toi, on sait que tu es un voleur. On va te trouver, tu ne pourras pas te cacher. Parce que celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Donc, si tu penses que tu iras te cacher quelque part, après avoir pillé les caisses de l'État, tu te trompes, on va te rattraper. Voilà. Et tu dois toujours retenir, penser à ceux qui ont servi le PDG avec zèle avant toi. Ils ont mal fini. D'autres sont même en exil aujourd'hui. Ils sont nombreux qui sont en exil. Et pourtant, ils ont soutenu. Ils ont soutenu ce régime-là. Ali Bongo n'a pas d'amis. Sylvia Bongo n'a pas d'amis. Nourani Bongo n'a pas d'amis. Ce sont des métèques qui n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. Et vous, les enfants du village qui êtes avec ces gens-là, vous devez faire extrême attention. Parce que ça va mal se terminer. Ça va très mal se terminer. Et si tu n'as pas compris, c'est que tu es bête et tu mourras idiot. Et personne ne viendra à tes obsèques. Donc, tu n'as même pas humilié un jeune bas. Il n'a rien fait. C'est quelqu'un qui est rigoureux. Et vous le saviez déjà. Donc, il ne fallait pas attendre qu'il soit dans vos manœuvres dolosives. Il aspire à une retraite dorée, une retraite paisible. Il n'a pas besoin d'être traqué. Donc, ce que vous avez fait là, ça se trouve contre vous. Ce que vous avez fait. En fait, vous allez découvrir que le piège du malchanceux n'attrape que son chien. Donc, toutes les lois que vous votez là-même, pour faire du mal, vous êtes en train de construire la prison. Il faut prévoir, dans la prison que vous construisez là, il faut prévoir toutes les commodités, parce que vous allez séjourner là-bas. Vous allez séjourner aussi dans cette prison-là. Je vous dis souvent que la partie de la serviette qui est sur les fesses aujourd'hui, c'est la même partie qui essuiera le visage demain. La partie de la serviette qui essuie les fesses aujourd'hui, c'est la même partie qui essuiera le visage demain. Donc, prévoyez déjà toutes les commodités à la prison. Parce que c'est là où vous allez passer vos retraites. Vous n'allez pas sortir. Même si vous allez à l'extérieur, on va vous extrader. Donc, faites attention. Vous êtes méchant pour rien. Vous êtes méchant pour rien. Avec des, vous n'avez pas de... En fait, vous êtes une bande d'idiots sans âme et sans conscience. Vous êtes une bande de psychopathes. Vous n'avez pas de limites. Avant, on respectait quand même des gens. Quelqu'un qui a des cheveux blancs comme ça, toi tu vas lui parler comme si tu parlais à ton enfant. Mais tu es malade. Tu es vraiment malade. Mais tu vas terminer ta vie en prison. Tu vas passer ta retraite en prison. Je te promets. Dans le Gabon de demain. Et vous êtes des voleurs et vous vous intéressez aux autres. Vous cherchez à fouiller ailleurs alors que c'est vous les voleurs. C'est normal. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Le sorcier qui égorge les autres n'aime pas que le couteau passe près de son cou. Donc, fais ce que tu veux. Mais tu vas payer ça d'un prix élevé, trop élevé même. Voilà, parce que la vengeance tardive s'exerce au moyen d'un gros bâton. Voilà, tu dois penser à ce qui est arrivé à Alianga. Et pourtant, Alianga est devenu messager, il m'a acclamé dans tout le Gabon, tout ça. Mais tu as vu comment il a terminé? Tu vois comment il a terminé? C'est pourquoi on vous dit souvent que si tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau. Si tu vois la barbe du voisin prendre feu, trempe la tienne dans l'eau. Et comme tu n'as pas compris, tu vas le regretter tôt ou tard. Fais ça. Mais on ne va pas t'absoudre en disant oui, c'est pas moi, j'ai reçu les instructions. Personne. Tu parles au nom d'Ali Bongo. C'est pas Ali Bongo qui te demande de manquer de respect aux gens. Ah non, c'est pas Ali Bongo. C'est pas, tu ne dirais pas demain que non, c'est Sylvia Bongo qui m'a envoyé. Tu ne dirais pas demain non, c'est Nourani Bongo. Ce sont eux qui ont fait ton éducation. Ils ont fait ton éducation. Donc tu vas le payer. Fais ton impolitesse. Tu as arrêté ton instruction, ton éducation. Et tu as pris la kleptomanie dans ta famille. C'est comme ça, pourquoi tu te permets de voler de 800 millions et 1 milliard pour payer les maisons. Mais tout ça, tu vas nous rendre ça. Et tu vas terminer comme les autres. Le jour où viendra un problème,
Tu n'auras personne pour te défendre. Parce qu'on t'aura parlé. Les autres, c'est comme ça. Là. Moi, j'ai parlé à Arianga. Chaque fois, j'ai fait des vidéos, mille et une vidéos pour prévenir, pour faire attention. Tu es mal tenu, tu es en prison. Et aujourd'hui, il est où? Et il y a peu de personnes qui parlent d'eux aujourd'hui. Et avec toi, ce sera pire. Je vais d'ailleurs te raconter une histoire que m'avait raconté mon grand-père. Cet homme s'appelait Mumbina. Mumbina était un serviteur loyal du roi, mais aussi un philanthrope, parce qu'il œuvrait pour le bien de ses semblables. Et un jour, Mumbina, grand chasseur de son époque, décide d'aller en brousse pour entreprendre une partie de chasse. Et il entre, il arpente la forêt. Il ne trouve pratiquement rien. Et au moment où il s'apprêtait même à retourner, découragé, bredouille, il voit une bête qui bouge entre les branchages. Et comme il se savait chasseur adroit, il s'est dit que là, je vais l'atteindre dans n'importe quelle partie. En tout cas, la bête n'a pas échappé. Mais il n'a pas bien regardé. Il a tiré et il a atteint la bête. Mais quand il a couru vers la bête, il s'est rendu compte que c'est une bête qui avait une forme humaine. Alors il a paniqué, il a commencé à crier, pensant qu'il avait tué quelqu'un. Alors qu'en réalité, ce n'était qu'un chimpanzé, le plus proche voisin de l'homme. Il n'avait jamais rencontré de chimpanzé, malgré ses séjours répétés dans la forêt. Et il a pensé qu'il avait commis un homicide involontaire et il est parti en courant au village. Et quand il est arrivé à l'entrée du village, il a commencé à s'enrouler au sol, à crier « Oh, sauvez-moi, oh, j'ai tué quelqu'un, j'ai commis un crime. » Et les gens ont dit « Mais ça, c'est qui ?» Et on a reconnu sa voix. Ils ont dit « Oh, c'est Mumbina. Oh, Mumbina, il dit quoi ?» Les vieux disent aux jeunes, demandez-lui qu'est-ce qui s'est passé. Les jeunes disent, non, mais il a tué quelqu'un, il dit qu'il a tué quelqu'un, sauvez-le. Il dit, il ne va pas venir se cacher chez nous. Sinon, les gendarmes viendront nous prendre tous. Et tu ne veux plus venir ici. Allez, qu'il s'en aille. Qu'il aille se cacher, pas ici, dans notre village. Il va dans une maison, on le chasse. Il va dans une maison, on le chasse. Alors qu'il rendait régulièrement service à ces gens. Et il a fait toutes les maisons du village. On l'a chassé en disant, non. Nous ne voulons pas avoir de problème parce que les gendarmes sont venus nous ramasser nous tous. Et après, mon bilan est allé dans un village voisin où il ne rendait même pas service. Et quand il est arrivé, il a commencé à s'appeler au sol. Sauvez-moi, oh, j'ai des problèmes, j'ai tué quelqu'un. Et il y avait un sage qui était en conciliabule avec d'autres sages du village au fond du corps des gars. Il a dit, mais lui là, c'est qui? Les gens ont dit, oh, mais il dit qu'il a tué quelqu'un. Il dit, non, ne le repoussez pas. Il a tué qui d'abord? Faut qu'on sache. Dit tous les venir. Et quand Mumbina avait coupé la main du chimpanzé pour l'amener avec lui, il a dit, mais tu as tué qui? Je ne sais pas. Il dit, mais attends, montre d'abord. On va peut-être identifier cette main-là. Et quand ils ont regardé, ils se sont rendu compte que ce n'était pas la main de l'homme. C'était la main d'un chimpanzé. Mais ils ont dit, mais non, tu n'as commis aucun homicide.
C'est un chien parfait. Il est même comestible. On le mange, c'est la bonne viande. On va repartir et prendre ça. Ce n'est pas un homme que tu as tué. Il est bon. Il dit oui. C'est pas un homme que tu as tué. Il dit mais comment? Mais au village là-bas où je rendais service, on m'a chassé de toutes les maisons où je voulais me cacher. Et on lui a dit mais tu vois, quand tu fais bien, tu as tout le monde avec toi. Les gens acclament. Mais le jour où tu as un problème, tu es seul face à ta destinée. Alors mon cher Yanungulu, tu seras un jour seul face à ton destin. Tu seras seul, interrogé par ta conscience. Et tu seras bourrelé de remords. Parce que tous les actes que tu auras posés vont te rattraper d'une manière ou d'une autre. Et les gens qui t'acclament là-bas, que vas-y, va humilier, je ne pas, humilie telle personne. Ces personnes ne seront plus jamais là. Parce que tout simplement, mon cher Yanungulu, celui qui te demande de construire la case ne te donne pas la paille. Celui qui te demande de construire la case ne te donne pas la paille. Merci. Et j'espère que tu vas encore tenir longtemps. Parce que le plus dur est à craindre pour toi. À très bientôt. Thank you.
Oh,